Coucou les loulous, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je fais mes pizza gaufres parce que à chaque fois que je publie ma photo en fait de mon assiette avec les fameuses pizza gaufres, vous êtes nombreux à me demander comment que je fais. Donc franchement, il n'y a rien de plus simple. Donc j'achète en fait en Allemagne, mais bon, vous les trouvez aussi en France, un kit à pizza. Donc vous avez en fait un rouleau rectangulaire de pâte à pizza avec voilà, un bocal de sauce tomate. Voilà, donc il vous suffit en fait de le dérouler. Moi, je le coupe donc en quatre parties, donc comme ça, quatre fois. Voilà, ensuite, vous prenez la partie du haut que vous garnissez. Alors, attention à ne pas mettre 3 tonnes de garniture parce qu'autrement, quand vous allez les cuire, ça va être une catastrophe. Donc là, vous mettez la sauce tomate, mais pas trop. Ensuite, la garniture. Donc après, vous pouvez garnir avec ce que vous voulez. Voilà, vous mettez ensuite le fromage exprès à pizza, donc la mozza. Voilà, donc moi, en fait, c'est jambon, champignon, mozza. Et ensuite, il vous suffit de replier. Alors attendez, je vais vous montrer comment on fait pour replier. Donc je vais déjà en mettre un dans l'appareil à gaufres. Voilà, je passe le téléphone à Gwen. Hop. Donc vous le prenez. Moi, je le mets au milieu. Voilà. Et je referme. Voilà. Ensuite, pour refermer, donc il n'y a rien de plus simple. Il y a juste à rabattre la pâte par-dessus et à souder en fait avec vos doigts, tout simplement. Donc même s'il y a un peu de sauce tomate qui dépasse, ça c'est pas, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je vais vous montrer le résultat juste après. Parce qu'en fait ça cuit pendant quelques minutes, on va dire. Là, je soude. C'est pas possible. Voilà, excusez-moi, chaque fois c'est pareil. Donc voilà, une fois que c'est bien soudé, c'est bon. Et je vais compléter les autres. Alors, voilà. Et je vous montre le résultat juste après. Hop. Gros champignon. Donc après, pour la garniture, vous mettez exact, enfin, absolument ce que vous voulez. Selon vos envies. Voilà. Hop là. Hop. Voilà. Et comme tout à l'heure, on referme. Tu racontes, poussin? Voilà. On soude tout ça. Et pareil pour le dernier. Voilà. Donc franchement, c'est une recette super facile à réaliser et ça change. Alors je prends une assiette et je vous montre ce que ça donne avec l'autre. Je vais vous voir si c'est cuit. On attend un petit peu. Vous avez vu comme c'est beau, ça gonfle dans le gaufrier. Donc ça cuit vachement rapidement, hein. Vraiment, voilà, 2-3 minutes et ce sera cuit. Je regarde que ce soit bien soudé. Mais bon, l'important, voilà, c'est de vraiment pas trop les garnir. Sinon, après, ça va couler. Vous en aurez partout. Vous allez ruiner votre gaufrier. N'est-ce pas, Rachel? Petit clin d'œil. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Donc, c'est prêt. Hop. Voilà, vous voyez, il y en a vraiment très peu dans le gaufrier.
Vous coupez ensuite en deux. Vous le servez avec une bonne salade verte. Et voilà, le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, si ça vous dit de reproduire voilà, les pizzas gaufres, maintenant, vous savez comment faire. Bisous, ciao, ciao.